Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser YouTube pour couper une partie d'une vidéo. Voilà, vous avez une vidéo que vous avez envoyée à YouTube et vous voulez couper une partie d'une vidéo. La vidéo est sur YouTube, alors vous n'avez pas besoin de la télécharger et de couper, de faire un montage. Tout peut se faire en ligne grâce à YouTube Studio. On parle de la nouvelle version, donc on clique ici sur la chaîne et puis on clique sur studio.youtube.com. Nous connectons à la chaîne et puis on choisit la vidéo. Je prends par exemple cette vidéo-là. Si vous voyez ici, il n'y a pas l'outil de montage parce que je n'ai pas encore choisi la vidéo. Si je clique ici, si je clique sur cette vidéo-là, et voilà, immédiatement j'ai l'outil de montage ici pour l'éditeur. Éditeur, je clique là-dessus, je clique sur l'éditeur, et puis dans ce cas-là, je peux cliquer sur F11 juste pour avoir les choses plus claires. Ce n'est pas obligatoire, mais juste pour voir les choses plus claires. Et dans ce cas-là, on a ici Trim et on a les minutes, les secondes, les frames. Supposons par exemple. Je veux copier qui se trouve à 5 minutes. 5 minutes et 44. Dans ce cas-là, je sélectionne, je crée ici le minutage et puis je clique sur Trim. Immédiatement, j'ai une boîte de dialogue bleue qui s'affiche en bas. Puis je clique sur Split. Split, ça veut dire diviser. Donc je divise ici. Et puis je clique et je glisse. Je clique et je glisse jusqu'à au moment où je peux arrêter. Là, 6, 7, 11, je veux couper de 5, 44 jusqu'à 6, 19. Bien sûr, pour régler ça, je suppose que vous avez déjà entendu votre vidéo où vous avez jugé que cette partie, vous allez l'enlever. Mais attention, ce petit X-là, ça ne veut pas dire que je vais couper cette partie-là. Ce X-là veut dire undo split, autrement dit, j'annule le découpage. Et ce n'est pas, je vais enlever cette partie-là. Pour enlever cette partie-là, on va passer encore à notre bouton. Je clique ici sur Preview, et dans ce cas-là, je clique sur le bouton en haut, Save. Si je ne suis pas d'accord, je peux cliquer ici sur Discard Changes. Mais ce qui est intéressant, c'est dernièrement, le vidéo éditeur de YouTube a ajouté une option très intéressante. C'est dans ces trois points-là, il y a les autres options très intéressantes. Autrement dit, on a ici Save as New. Si on veut ajouter une autre vidéo, on a découpé cette vidéo, on va avoir une autre copie et garder l'ancienne, c'est OK. Je clique sur. Pour voir une autre option, il y a Keyboard Shortcut. Et vous voyez ici le keyboard que vous pouvez appliquer, vous pouvez essayer. Ça permet de gagner du temps. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Et vous n'avez qu'à essayer parce que c'est dans l'expérience qu'on apprend davantage. Donc, ici, je vais écrire Save as New. Moi, je vais écrire Save le bleu. Un message ici de vidéo éditeur. It might take a few hours for your change to apply. Ça peut prendre quelques heures pour que ces changes s'appliquent. Dans ce cas-là, les visiteurs vont continuer à voir la version courante de la vidéo. Et je clique sur Save.
Le message ici, video is being processed. Please check back later. Autrement dit, la vidéo elle est en phase de procession. La procédure de découpage de la vidéo elle est en cours. Avec un petit moment, après, vous allez voir les choses comment vont se passer. Ça, c'est pour découper une vidéo que vous avez en ligne. Je répète, l'important, c'est que tout se fait en ligne. Merci pour votre fidélité, merci pour votre abonnement à cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un like. Un commentaire positif fait toujours plaisir. Merci et au plaisir de vous servir dans d'autres vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne et merci.